Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la mort au rat. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le zouave au pont de l'Alma. Nous avons plutôt tendance à prendre la vie tristement. Et dans bien des circonstances, on s'affole inutilement. Quelle que soit notre malchance, dites-vous que cela n'est rien. Tout cela n'a pas d'importance, car si on réfléchit bien, ça vaut mieux que de manger des OGM. Ça vaut mieux que de fumer de la mousse de nombril. Ça vaut mieux que d'être la mère de Saddam Hussein. Ça vaut mieux que d'être baisé par Sarkozy. Dans le métro, quand il y a foule, on ne sait pas où s'accrocher. Et tandis que le train roule, on ne fait que trébucher. D'autres jours, quelqu'un s'exclame: mais vous m'accrochez les seins! Je lui ai répondu: madame, y a pas de quoi faire ce potin. Ça vaut mieux que de se taper Love Story. Ça vaut mieux que de subir ce qui joue à C'est quoi. Ça vaut mieux que d'être à la place de Mulroney. Ça vaut mieux que d'être prisonnier de son surmoi. Chez une vieille douairière de 60 ans bien sonnée, des bandits masqués entrèrent et voulurent la violenter. Le mari criait: arrière, je préfère que l'on me tue. Mais brusquement la douairière lui dit de sa voix d'ingénue: mais voyons Gaston, ça vaut mieux que d'oublier sa libido. Oh, ça vaut mieux qu'avoir une restructuration. Ça vaut mieux que de rire du nez de Cyrano. Ça vaut mieux qu'être un cancer dans un colon. Comme on parlait de supplice dans un salon très coté, quelqu'un dit: aux îles Maurice, j'ai vu des gens empalés. Chacun dit: c'est sanguinaire. Mais un jeune homme me ravit, s'écria: et brut ma chouère, si vous voulez mon avis. Ça vaut mieux qu'avoir pour prénom Berlingot. Oh, ça vaut mieux que de devoir lire L'Alchimiste. Ça vaut mieux que d'être le jumeau de Pinocchio. Ça vaut mieux que d'être néo-bonapartiste. L'autre jour, un vieux satyre devait être guillotiné pour avoir, c'est triste à dire, violé un garçon boucher. Avant qu'on lui coupe la tête, le bourreau, sans s'affoler, lui offrit une cigarette et lui dit pour le consoler: ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la mort au rat. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le zouave au pont de l'Alma.